C'est le moment que deux nations attendaient, la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. La première partie de la rencontre vient de se terminer. Les Français, l'Argentine menait 2-0, mais la France a inscrit 2 buts en une poignée de minutes. On va retrouver à XL dans un bar Meriem Lahadici. Meriem, bonsoir, j'imagine que la tension est à son comble. Oui, alors l'ambiance est assez tendue, tous les regards sont dirigés vers l'écran derrière moi. Dans ce bar, le bleu du maillot français est finalement un petit peu partout. L'ambiance est survoltée, certains sont là depuis 15h cet après-midi, comme Guillaume qui est ici à quelques minutes de la fin, du début des prolongations. Tout le monde retient son souffle, on sent qu'il y a une atmosphère particulière. Est-ce qu'on y croit ? On y croit totalement, la France, bon, Dédé, on sait que il a la solution. On sait qu'il a la solution. On le voit, là c'est 2-2. Il a la solution, exactement. C'était 2-0 à la mi-temps. Maintenant c'est 2-2. Tout est à jouer maintenant. Donc on fait confiance à Dédé. Alors, est-ce que la troisième étoile va venir se greffer sur le maillot français ? C'est une question qui reste encore en suspens. Oui, effectivement, il y a pas mal d'ambiance et la tension doit être très forte. Merci Meriem pour ces explications.